Eh bien, salut tout le monde, c'est Full Gameset, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre épisode 4 de Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé sur PC. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas, ça va très bien. Dans l'épisode précédent, on a fait beaucoup de Quidditch. Certes, on a fait beaucoup de Quidditch, mais on a appris quelques petites informations vraiment mini dans le scénario. Katie Bell a été donc ensorcelée par un collier que Drago... que Harry soupçonne que c'est Drago qui lui a donné. Que ce collier, il l'avait acheté chez Barjot et Burke. Bah, je vous rappelle, Barjot et Burke est un horrible magasin au chemin de traverse, tout simplement. Et donc, on a fait donc le match contre le Serpentard et tout le monde, Hermione a cru que Harry avait mis le flacon du Félix Felicis. Je vous rappelle que c'est une potion qui donne de la chance à la personne, en fait. Donc, il ne lui a rien mis du tout, il s'est simplement créé sa propre chance, voilà, il était chaud, donc... Et on vient de voir, voilà, comme le cœur un peu de l'œuvre du Harry Potter 6, c'est un peu les histoires d'amour un peu adolescent, où justement, Ron sort avec... Alors, j'ai oublié son nom, c'est bête à dire, mais pour vous dire qu'elle m'énerve, ce personnage. Bref, il sort avec quelqu'un, Hermione est un peu jalouse, ça se remarque, ça se voit et ça se comprend. Et Harry l'a un peu aussi à travers la gorge, d'ailleurs une scène assez drôle quand même, ils ont bien fait la friendzone dans l'épisode précédent où Ginny partait avec Dean à Priolard, voilà. Donc on est en tenue de soirée, ma foi très très classe, et donc on est invité à la fête de Slughorn. Et donc la fête de Slughorn, c'est un événement bien évidemment qu'organise Slughorn, je crois pour les fêtes de Noël je crois, et il invite ses meilleurs élèves en tout cas pour une petite fête sympa, amicale. Donc voilà, donc on va rejoindre donc Luna Lovegood. On va rejoindre donc Luna Lovegood au hangar à bateau, donc voilà. Et moi ce que j'aime beaucoup, alors ça je sais, je me répète, mais voilà, c'est ce genre de détail dans le jeu en fait. Oh, t'as un côté, on change d'atmosphère facilement, on change d'ambiance, alors que dans le 5 on était toujours dans le même délire en fait. Là, par exemple, on était en tenue de Quidditch dans l'épisode précédent, parce qu'on avait un match de Quidditch, on était dans une ambiance de Quidditch. Dans le 6, c'est pareil. Là, on est en tenue de soirée, donc on va faire la soirée. Et je trouve il y a un côté un peu nouveau, si je puis dire, dans le gameplay que j'aime beaucoup. C'est le petit détail, mais j'aime bien. En fait, ça montre que t'es pas tout le temps en mode écolier, et puis ça change un peu, ça. Bon, vous me direz, c'est qu'un détail, mais moi j'aime beaucoup ce genre de petit truc. Mais c'est pas vrai, tu vas te le bouffer mon banc là. Je veux ce truc, on va encore galérer comme pour celui de la dernière fois, hein, c'est pas possible. Hein. C'est pas vrai. Non. C'est pas vrai, mais tu vas te le mettre. Ah bah putain, il était chaud lui hein. Voilà, bon. Donc on est parti, on va au hangar à bateau. Donc ça va être un épisode qui dit Slughorn. Qui dit moment peut-être important d'un scénario assez... Bah on va avoir un morceau du scénario, enfin... Du moins en partie. Pas totalement. Et donc voilà, donc... Donc on avait fait également une potion de ravitaillement pour Ginny dans l'épisode précédent. Et je vous avais parlé d'une séquence de potions qui était assez chiante. Quand il s'agit de mélanger des potions, quand il y a les bulles. Maintenant, je pense savoir comment ça fonctionne. C'est en gros, tant qu'il y a les bulles, tu verses, en fait. Pour faire simple. Voilà, putain, j'ai oublié que les musiques, elles sont totalement différentes du 5. Hein. Elles sont plus symphoniques. Bah, je trouve qu'elles ont plus d'impact dans cet épisode que dans le reste. Et puis, ça reste quand même... Faut savoir, Harry Potter 6, c'est un épisode... assez triste, mine de rien, malgré, même s'il y a des trucs. Moi, ce que j'aime beaucoup, surtout, alors, c'est le générique. D'ailleurs, au générique de l'épisode que j'ai fait moi-même, la musique vient de Harry Potter 6, le film. Je ne vais pas vous dire le titre, parce que, voilà. Mais pour vous dire, c'est un épisode qui est... C'est une des plus belles musiques, en fait, je crois, de tout l'univers Harry Potter qu'on a vu. Ah, je peux pas récupérer... Attendez, j'ai vu un écusson, hein, je vous rassure. Je regarde s'il y a moyen de... Je peux aller là? Ah ouais, on peut aller là. Hein. Attendez, je vais voir s'il y a moyen de récupérer ce petit écusson, quand même. Putain, la musique est tellement belle, je vous assure qu'elle m'apaise. Elle me fait vraiment du bien.
Ah, j'aime tellement écouter les musiques aussi, c'est dit. Attendez. Petit aller-retour. Est-ce qu'on peut aller là-bas? J'ai vu un truc qu'on pouvait. J'ai vu une petite racine qu'on pouvait brûler, donc je pense que oui. Est-ce que ça mène au même endroit que dans le 5, vous savez, près du viaduc? Hop. Ou est-ce que ça stoppe en plein milieu? Ah non, j'ai l'impression qu'on peut vraiment y aller, hein. Bon, je vous rassure, on va rejoindre Luna, mais je veux dire. Le jeu est tellement rapide que j'ai envie de profiter un petit peu, quoi, tout en temps. Bon. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, je pense que ça doit mener au même endroit, mais ils ont redesigné le lieu, quoi, tout simplement. Bon, moi, ce qui est bien, c'est comment on sprint, quoi. Oh, putain. Alors, même si le jeu n'est pas le plus beau, je suis d'accord, c'est pas le jeu le plus magnifique de tous les temps. Ah, ah, ah. Je sais pas si c'était un truc à cramer. Je crois que c'était un truc à cramer pour les cuissons. J'ai vu un écusson brièvement passer... sur le côté. Ouais, c'est ça, ça mène au même endroit. Ouais, c'est ça, ça mène au même endroit. C'est ça. C'est moi où j'ai vu un écusson, là. Ouais, il y a un écusson. Okay. On va récupérer ça. Voilà. Ah, putain, cette zone, elle est pas mal. Il y a plein de zones qui sont sympas dans ce jeu. Hop. Est-ce que vous pensez que je peux aller là-haut à récupérer un écusson ou pas? Voilà, bon, je vous l'ai dit, hein, je n'ai pas récupéré tous les écussons, hein, je vais récupérer ceux qui se présentent devant moi, et puis les mini-écussons prennent le relais, hein, aussi, donc... Hop, allez. Ah putain, la musique, elle est belle, bordel. Je me rends compte que maintenant, et dire que j'y ai joué des heures, hein, par le passé, mais j'avais jamais fait attention aux musiques. Moi, c'était les musiques du Harry Potter 5 qui m'avaient marqué. Le 5 et les anciens, tout simplement. Alors, il me semble ici qu'il y a un club de duel, hein, ici, de jour. Je crois que c'est de Serre d'Aigle, il me semble, ici. Parce que là, c'était Pouf Souffle, ce qu'on avait fait la dernière fois. Ah, non, c'est club de duel de Serpentard. Bah, écoutez, je me suis trompé. Au moins, c'est montré. Voilà, un petit écusson. Ah, oh, putain, mais je vous assure, la musique, elle me... Elle m'impressionne, quoi. Ah, il y a un passage, là. Bon, non, on va y aller. Ça me nous, ça. Bon, je sais, je vais pas au lieu, mais bon, écoutez, là, je redécouvre. Voilà, voilà. Harry, redescends, s'il te plaît. Harry, caméra. Ça doit... Ah, ça doit mener... Ça mène au cachot, ça mène nous, ça. Ok. Bon, écoutez, on va se balader un petit peu. Hop, ça en récupère. Ah, putain, caméra. Voilà. Oh, on est où, là, maintenant? Ah, oui, d'accord, on revient là. Oh, bah, tant mieux, bah, ça va. Oh, 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 toi, tu viens. Voilà, bon, ok. Ouais, donc, c'est vraiment un autre chemin à prendre que l'on souhaite. Hein. Bon, écoute, on va reprendre le chemin classique. Hein, de la grande porte. Ah, un écusson. Hop, voilà. Bon, allez, on va aller rejoindre Luna parce que depuis le temps, elle nous attend, la pauvre. On va quand même la rejoindre. Donc, écoutez, je vous dis à tout à l'heure, juste devant Luna. Allez, à toutes. Ok, retournons. Donc, ça y est, on est devant Luna. Bon, entre-temps, les écussons sont réapparus. Donc, écoutez, tant mieux. Allez, Luna, qu'est-ce que tu as à me dire? Salut, Luna. Oh, quelle jolie robe. Tu crois que je devrais mettre mes boucles d'oreilles en forme de radis? Je me demande si elles vont bien avec... Non, 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 tu es parfaite. Je suis contente que tu sois là. Le professeur Slughorn m'a demandé d'installer ses feux d'artifice pour indiquer sa fête, mais je ne sais pas bien ce que je dois faire. Il suffit de lancer un incendio sur la mèche. Ok, nouveau sortilège, c'est parti. Ah, cette musique, elle est belle aussi. C'est joli. Ah, elle est très belle, cette musique aussi. Donc voilà, donc on va allumer les feux d'artifice. Qui d'ailleurs, même une fois lancés, ils font toujours autant de boucans. Alors attendez, je sais pas s'il y a un moyen de récupérer... Il y a un écusson, j'aimerais bien savoir comment le récupérer. Hein. Bon écoutez, au pire.
Ce n'est pas grave. Alors, je vais voir. J'espère que j'ai pas loupé de... En voilà un autre. Allez, c'est parti. Donc là, ça va. Là, c'est vraiment le moment un peu tranquille. Très joli. Hein. C'est... Moi, j'aime beaucoup cette scène. Je l'ai dit, hein, j'ai beaucoup d'affection pour cet épisode. Hein. Quel dommage que les feux d'artifice ne durent pas éternellement. C'est comme tout ce qu'on aime. Ça explose, c'est joli, et puis ça se termine. Comme la fête de ce soir. T'as le don de réchauffer l'atmosphère, toi. C'est incroyable. Alors, attendez, j'ai pas loupé une boîte, là. Non, j'ai cru. J'ai cru. Bon, ah, putain, c'est dommage, par contre, qu'on puisse pas gérer une caméra, par contre. Ça, c'est dommage. La caméra, elle se règle toute seule. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas si j'ai loupé des boîtes. Je pense pas, hein, mais bon. Écoutez. Ah, non, il y en a une. Ok, c'est bon. Au moins, tu les vois, c'est déjà ça. Allez hop! Ah putain, les musiques de ce jeu sont belles! Je crois que je le dirai jamais assez dans ce jeu. Hop, je t'avais pas vu. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Mais fait accompli. Les aurores ont réouvert cette partie du château. Viens, allons à la fête de Slughorn. Emmène Luna à la fête dans le bureau de Slughorn. Très bien. Dit comme ça, ça fait très bizarre. Emmène Luna à la fête dans le bureau de Slughorn. Bref, on va pas jouer avec les mots. C'est pas le principe. Allez, on va sprinter. Et comme par magie, tout le monde te trace sans aucun respect. On active les écussons. Allez. Donc bien évidemment la fête de... Waouh, 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 putain, je t'avais pas vu toi, je t'ai vu à la dernière seconde. Toi. Donc bien évidemment le bureau de Slughorn, il me semble qu'on pourra y repasser de temps en temps. Alors je sais plus si c'est condamnable à un moment donné ou pas. Si c'est un lieu... C'est dans le lieu de potion, d'accord. Je croyais que j'avais un autre étage, je pensais que c'était dans les étages. Ce qui est plus classique, quoi. Je pensais que c'était dans les escaliers, non, hein. Non, c'est dans les cachots, ok. Pourquoi pas. Hop, allez. Hop, voilà, bonjour, ah bah c'est le fameux lieu en question qu'on avait vu dans le premier épisode ça, le fameux lieu secret, waouh putain j'avais oublié cette zone, je trouve que les zones en caverne dans ce jeu ils sont géniaux, je trouve. J'aime beaucoup les zones de caverne, c'est con mais j'aime ça. J'avais oublié cette petite zone, putain, pour aller dans son bureau, c'est le bordel, hein, faut pas flipper, hein. Ouais, écoutez, c'est pas grave. Hop, alors, on va utiliser la bombe à bouse. Ah non, c'est un chaudron explosif. Hop, voilà. C'est très dangereux, Poudlard. Hein. Je ne suis venu ici que dans mon sommeil. Je suis somnambule, tu sais. Ah bah c'est pour ça que je dors avec mes chaussures. Pourquoi pas. Si tu veux. Elle est toujours particulière, hein, Luna. Hein. Le personnage l'est aussi, et c'est volontaire. Putain, pour aller dans son bureau, c'est dans son lieu de travail, c'est un bordel. Hein. T'as l'impression qu'il est exclu du monde. Bon, on va aller jusqu'au bout, par contre, hein, parce que... Ah, d'accord, 7e étage. Tu es prêt pour aller à la fête? Ouais, attends, 2 minutes, il y a un écusson que j'ai vu. Ah, caméra. Merci. Comment je fais? Ah d'accord, ok. Bon, bah, au moins c'est fait. D'accord, donc ça nous met... D'accord, on passe du 7e étage au cachot. Bah, c'est plutôt pas mal, au moins on a un raccourci. Ok, donc en gros on est au 7e étage, quoi. Parce que je me tenais bien. Oh putain, c'était quoi cette armure? Mais c'est un elfe de maison, ça! Alors, est-ce que c'est un easter egg, vous pensez, d'une armure de Dobby? Vraiment pour le kiff? Pour être sympa? J'avais souvenir que c'était au 7e étage, hein, quand même, hein, Tu es prêt pour aller à la fête? Ah, comment... Oh, non, on peut... Oh, c'est la salle sur demande! Oh, dommage qu'on puisse pas rentrer. Ah, oh, vraiment dommage. J'y ai cru un instant. Ah, attendez, je crois qu'il y a un truc sympa à faire avec les drapeaux. On va récupérer tout ça.
Oh là là, mais il y en a partout des armures, dites-moi. Ok. Attendez, il y a un truc avec le drapeau là que j'adore, qui est sympa aussi à voir, vous avez à faire. Bon, déjà on tape un sprint. Attendez. C'est par où que je dois aller d'abord? Bon, de toute manière, Luna, elle doit m'attendre. On tape un sprint. Et hop, voilà. Bon, non, j'aurais dû... Et hop, voilà, on tape le drapeau. Voilà. Voilà, bon, c'est une petite animation. Hein. Le petit détail. Allez, on va... Luna, emmène-moi à la fête de Slughorn. Normalement, on est censé connaître le chemin, hein, mais non, c'est Luna qui nous guide. Tu es prêt pour aller à la fête? Allez, c'est parti. Harry, mon garçon, vous voilà enfin. Il y a tellement de gens que je veux vous présenter. Professeur Slughorn, il n'y a personne ici. Bien sûr que non, il y a encore du travail. Nous ne sommes pas prêts et encore loin de l'être. Mais tout ira bien avec un peu d'aide. Je ne doute pas qu'avec vous et Miss... Lovegood. Tout sera bientôt prêt. J'allais préparer vite fait un cocktail pour mes invités, mais le temps m'a manqué. Pouvez-vous me préparer quelque chose? Alors voici la scène que je déteste. Enfin, il y en a une autre que j'ai en tête, mais... Ah, voilà, maintenant on peut mélanger. Donc ça, c'est nouveau. Donc, voilà, donc ça, voilà, on évolue. Je crois que c'est la dernière étape, hein, après des potions. On va mélanger jusqu'au vert kaki. Un genre de vert, hein. Un vert bleu-dâtre. C'est un genre de bleu, mais... Ouais, il y a un mélange de bleu-vert. Hop, allez, on met au rouge. Ouais, ça marche, vous pensez dans l'autre sens? Ouais, ça marche dans l'autre sens. Bon, écoutez, tant mieux. Je préfère dans ce sens-là. Bah, écoutez, c'est bon. Donc, c'est un passage que je n'aime, que j'ai souvenance où j'avais ragé, mais plus d'une fois. Voilà, c'est ça. C'est cette scène-là. Parce que, bien évidemment, il va y avoir des mélanges. Mais il y a un moment donné dans le mélange, vous allez comprendre pourquoi j'ai pas aimé ce moment. Pourtant, j'ai trouvé... Il est fun, hein, ce passage, mais... Il y a toujours le petit hic, quoi. Hop, allez, on mélange. On va mettre au vert. Les citrons. Hop. Putain, c'est des gros citrons, hein. C'est... Au moins, vous me direz, c'est bio. Hein. Bon, j'espère. Ah, j'angoisse pour la prochaine. C'est... merde, c'est lequel? C'est... Merde, c'est lequel? C'est... Ce son, voilà, ce son de mort. Voilà, ce son de mort m'a fait stresser comme un porc, parce qu'en fait, quand on entend ce son, c'est que généralement la potion est très délicate. C'est-à-dire, il suffit de la secouer très peu pour qu'elle rentre en bulle. Et si on fait trop... merde, c'est un citron ou pas? Ouais. Voilà, ok. Si on la mélange trop, en fait, elle rentre en ébullition et ça nous fait perdre du temps et de la fumer, en fait. Et je me souviens au moins incalculable de fois que j'ai foiré d'une certaine manière. Je sais pas si ça va plus vite comme ça, mais je vais dans l'autre sens. Des fraises. Hop. Et surtout le temps qui nous reste, quoi. Hop. Elle est vraiment longue en plus à faire. Hein. C'est celle-ci. On va mettre au jeu. Ah putain. Ah non. Bon écoutez, c'est pas grave. C'est pas parfait la couleur, je suis désolé, mais je vous assure que quand je dois secouer une bouteille, ça me fait toujours stresser. On va bien faire une belle couleur. Voilà, bon, c'est un peu plus foncé, mais c'est pas grave. Bien. Bon bah voilà. Merveilleux. Un nectar divin. Un breuvage plein de soleil et de joie. Je savais que vous étiez l'homme de la situation, mon garçon. Nos invités sont là. Une seconde, Potter. J'ai un message pour vous. Le professeur Dumbledore m'a demandé de vous transmettre ses bons voeux. Il est en voyage et ne reviendra pas avant la fin du trimestre. En voyage? Où? Ôtez vos sales pattes, espèce d'immonde craquemolle! Allons, allons, monsieur Ruzard, à quoi rime toute cette agitation? D'accord, j'avoue, je suis entré sans invitation. Satisfait? Je vais le reconduire dehors.
Que faites-vous ici? Je n'ai pas de compte à vous rendre. Alors, ce que je trouve surprenant, surtout, c'est que Rogue et Malfoy sont passés devant moi, mais à aucun moment ils se soupçonnent que je suis là. Bon, là, c'est une scène plutôt importante, si je puis dire, ou plutôt intéressante. J'essaie de vous aider. Et moi, j'aime bien la manière dont elle est présentée. Alors, bien évidemment, il faut se faire discret. Hein. Alors, on va marcher, hein. Tout simplement, il y a juste à marcher. Après, le but, c'est de pas trop les perdre de vue, parce que... Ils vont quand même un peu vite. Gloire, hein. Donc je ne vais pas parler, je vais vous laisser écouter tout simplement. Rejoignez votre classe. Ah merde, je suis allé trop vite. 10 points de moins pour Gryffondor. Oh ça va, il n'y a plus de points maintenant. Depuis Harry Potter 3, il n'y a plus de points. Merde, excusez-moi. C'est le joystick. Excusez-moi, c'est le joystick. Ok, bon, écoutez, c'est pas grave, on va refaire. Faut juste pas les perdre de vue. Bon, l'exécution, je vais en récupérer sur le chemin, mais je vais pas foncer dessus. Là, je veux laisser le passage scénario. Non. Je me souviens quand j'étais au cinéma cette scène. Après cette scène-là, dans le film, c'était l'entracte. Je me souviens. Voilà, c'était l'apparence. Hein. Bon, ils ont rallongé le dialogue. Hein. Ok, bon, ils sont passés à la porte, ok, tout de même, vous voulez vous approprier ma gloire, hein. Parlez moins fort. Alors, je sais pas s'ils font des arrêts sur image, par contre. Peut-être que j'ai lancé un maléfice à Cathy Bell. Peut-être pas. Qu'est-ce que ça peut vous faire? J'ai juré de vous protéger. J'ai fait le serment inviolable. Je n'ai pas besoin qu'on me protège. J'ai été choisi. Je dois me débrouiller. Incroyable. Tu ne crois pas que Rogue faisait semblant? Non, il a même dit qu'il avait fait le serment inviolable. Le serment inviolable? Oui, et qu'est-ce que ça fait si on brise un serment inviolable? On meurt. Tout le monde est couché? Je n'arrive pas à dormir en ce moment. Alors je me lave les cheveux. Je sais, c'est bien. Joyeux Noël, Harry. Harry! Harry! Bonjour, Harry. Bien! Bon, là on a vraiment... Ils ont vraiment accéléré les choses. Bon. C'est dommage. Donc là, pour faire simple, voilà, c'est la fête de Noël et tout. Oula. Donc là, on a réaffronté Bellatrix, donc... Vengeance! Elle a tué notre parrain! Non, non. Allez, en bourrine. On va essayer de maintenir... Hop, voilà. On va maintenir... Non. Ah, bouffe! Ah ouais, d'accord, t'es comme ça. Hop, dégage. Ok, bon. Je pensais que la scène avec Slughorn durerait un peu plus longtemps, je vais pas vous mentir. Hop, voilà, dégage. Bon, là, là c'est une scène assez stylée hein, dans le film et même dans le bouquin, là, c'est... Aïe! Mais tu ne comprends pas qu'elle cherche à t'attirer. Elle a tué Sirius. Ginny! Je vais bien. Où es-tu? Continue. Je te retrouverai. Tu viens jouer, Harry. Ok, deuxième round, c'est parti. Donc c'est une scène assez dramatique en plus parce que... Bon là vous l'avez vu hein... Bellatrix attaque et en plus un autre mangeoire intervient. Alors si vous vous souvenez au début de l'épisode il y avait une affiche, c'est vraiment durant les premières cinématiques. Fanning Greyback donc qui est un mangeoire, un loup-garou pour être plus précis, qui s'était échappé d'Azkaban. Merde, j'ai relâché comme un con. Excusez. Allez, viens là. Aïe!
Boum. Ah d'accord, ok. Allez, putain, fais-moi ton expérience, putain, c'est chaud. Hein. Bon, on n'a pas encore appris tous les sortilèges, hein, très clairement. Il nous en manque encore quelques-uns. Le Petrificus. Le Petrificus Totalus, le Livicorpus. Voilà, c'est les deux qui manquent. Le Rectus Impra, je sais pas s'il y est, il me semble pas. Allez, dégage. Voilà, reste couché. Ginny! Non, Harry, c'est un piège! Éloigne-toi d'elle! Voilà, fais un... Oh putain, il a de la vie, lui, j'avais pas fait attention à ça. Comme quoi, récupérer les écussons nous ramène plus de... nous donne plus de jauge de vie. Voilà, c'est un boss, hein, donc... c'est normal que... qu'il soit un peu plus fort. Bouffe! Hop. Hop. Casse-toi. Hop, protège-toi. On va être un peu plus tôt. Là, je vous le dis, hein, les duels sont beaucoup plus chauds maintenant. Surtout quand c'est des boss goulus. Hein. Hop, allez. Boum. Boum. Putain, mais c'est pas vrai, il esquive tout le temps, ce con. Boum, voilà. Hop, voilà. Hop, on va charger. Boum. Ah, oh, c'était bien joué, ça. La musique est pas mal. La musique est entraînante aussi, je trouve. Elle est stressante. Allez, bouffe. Voilà. Tu peux pas, tu peux rien faire. Allez, moi, on fait la technique de porc. Boum. Voilà. Tu te rapproches et tu lui balances tout, il meurt. Tu n'as rien. Non. Merci, Ya. Tu as de la chance d'être encore en vie. Et merci pour... enfin, tu vois, pour Ginny. Sans toi, ma sœur serait sans doute devenue un loup-garou. Ben, de rien. Papa a enquêté chez Barjo et Burke. D'après lui, Malfoy cherchait une armoire à disparaître. Une armoire à disparaître? Mais à quoi ça lui servirait? Je sais pas. Papa a dit qu'elle était toujours dans la boutique. Je sais qu'il mijote quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Salut Harry! Ron? Au fait Harry, le professeur Slughorn organise une autre fête, sur invitation. Le club de Slug? Slughorn va peut-être vous couronner roi et reine des limaces, McLagan et toi. A plus Harry. Hermione, est-ce que tu as vu Malfoy faire quoi que ce soit de bizarre? Oh arrête Harry! Tu t'inquiètes encore au sujet de Drago? Ron m'a dit que son père avait découvert que Malfoy s'intéressait de près à une armoire à disparaître chez Barjo et Burke. Il n'aurait jamais pu introduire en douce une armoire à disparaître dans le château. Les Aurores fouillent tout ce qui entre. Ils ouvrent même le courrier du Hibou Express. Alors dis-moi comment il fait pour disparaître de la carte du maraudeur. Je vais te montrer. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Mais fait accompli. Il est là, dans le couloir du 7e étage. Et ben alors, il s'est pas envolé, tu vois? Mais parfois, il disparaît complètement. Je trouverai ce qu'il trafique. Je vais au 7e étage. Qu'est-ce que j'entends? Mais c'est un vrai scoop, ma parole! Les meilleures pistes disparaissent rapidement, alors tu ferais bien d'utiliser mon raccourci. Dis simplement, vive les gros titres! Tu crois vraiment que tu vas découvrir quelque chose, Harry? Oui, je vais prouver qu'il prépare un sale coup. Bien! Bon, on a eu un moment assez bien chargé niveau scénario, on a quand même eu plein de choses. Bon, on est à la bibliothèque, tant mieux. Et là, je trouve que la bibliothèque est plus sympa ici. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode 4, qui est, à ma foi, beaucoup de choses. Alors, sincèrement, je pensais vraiment que la fête de Slughorn durerait plus longtemps. Donc, on aura une autre fête, je pense, à un autre moment. On aura une autre fête, voilà, tout simplement. Donc, alors, je sais pas si ça sera du même délire que ça, ce qu'on a fait tout à l'heure ou pas. Hop. On va
casser ça. Hop, on va réparer. Voilà, on peut faire des petites combinaisons comme ça. Donc, au début, je pensais que ça allait durer plus longtemps. J'étais prêt pour vous mettre en titre d'épisode la fête de Slogan, tout simplement. Alors, je sais pas si la prochaine fête se passera comme pour cet épisode-ci, ce qu'on vient de faire. Je sais plus du tout. Ou alors, c'est juste une petite cinématique classique. Il me semble que c'est ça, en plus. Donc voilà, bah écoutez, ça sera plutôt un épisode fort action, l'attaque du terrier, je pense que le titre portera bien son nom. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode 4 de Harry Potter. Moi je me sens chaud pour faire la suite en tout cas. Donc voilà, on va récupérer un peu tout ça. On fera en off, je vous rassure. À un moment donné, les duels et tout ça. Alors peut-être qu'on se fera ça en épisode bonus. C'est possible aussi pour le kiff. Alors on va récupérer tout ce qu'on voit. Alors là, on en a des choses. Hein. Hop, un chaudron explosif. On va vite récupérer ça. Voilà. Hop. Il y en a tellement des choses à récupérer. L'exécution, il y en a partout pour vous dire, c'est addictif. Et ce qui est bien, c'est que ça donne au moins une excuse pour te balader dans Poudlard. C'est con à dire, mais ça, je trouve que c'est ça l'excuse. Donc voilà, alors on va vite faire récupérer les petits écussons qui traînent par-ci par-là. Oh, il y en a beaucoup, dites-moi. Au moins pour qu'on ait un écusson, c'est déjà ça. Alors je sais pas si j'ai vu un écusson accroché au mur. Je crois que oui. Attends, on va prendre ça. Voilà, c'est ça. Non, t'es sérieux là? Putain, c'est chaud quand même pour les récupérer, ces putains d'écussons. Voilà, merci. Bien, bon, on va s'arrêter là pour cet épisode 4. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je vais enchaîner de suite avec l'épisode 5. Donc, voilà, mais écoutez, ça sera 3 épisodes d'un coup. Puis... tant mieux. Donc, on est parti. Donc, je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Allez, à plus tout le monde.